Excellent Père de grâce, je remercie ce soir. Je leur ai dit selon ta parole que tu as dit que toi tu veux illuminer les yeux de leur cœur. Ils sont tenus debout, non pas de demander de leur donner des yeux, mais d'ouvrir les yeux qui existent déjà, ces yeux spirituels-là qui sont capables de te voir. Ces yeux spirituels qui sont capables de voir le monde spirituel. Père, que toute écaille, tout voile spirituel que l'ennemi a placé sur leurs yeux spirituels soit ôté devant eux, comme tu as ôté Lot devant Abraham. Dès que Lot a été écarté, Abraham a vu sa destinée. Je prie maintenant au nom de Christ Jésus par l'onction. Et je brise tous les voiles, tous les jougs qui empêchent ces hommes et ces femmes de voir clairement leur destinée, de voir les œuvres que tu as préparées. Maintenant, Père, que ces jougs soient brisés et qu'au nom de Christ Jésus, tout voile soit ôté. Et j'ordonne au nom de Christ Jésus que à partir de maintenant, qu'ils sont assis avec Christ, que leurs yeux spirituels s'ouvrent à la réalité du monde spirituel de Dieu, que par le discernement des esprits, ils voient aussi comment Satan opère, comment Satan trompe les gens, et qu'ils puissent le contrôler et le chasser. Père, j'ai prié et je crois maintenant que dans ta grâce, dans les circonstances que moi je ne peux pas définir, tu vas ouvrir leurs yeux. Certains seront étonnés de voir des choses qu'ils n'ont jamais vues sur le monde de l'esprit. Certains seront étonnés de voir comment les choses se déroulent. D'autres seront étonnés de voir qu'à partir de maintenant, ils voient des choses. Certains verront des anges, nous verrons des esprits qui pourront chasser facilement. Père, c'est ce que tu as dit et tu as répondu. Ouvre mes yeux pour que je voie. Oui, Seigneur. Élie a prié pour son serviteur, pour que Dieu lui ouvre les yeux. Pas que Dieu lui donne des yeux, qu'il ouvre ses yeux. Il avait ses yeux-là, mais il ne pouvait pas voir, il ne sait pas comment manifester. Quand tu as ouvert les yeux du serviteur, il a vu les anges des chariots de Dieu. Tout ici est rempli par la présence. Les anges sont là, les chariots de Dieu sont là. Mais combien n'arrivent pas à voir, parce qu'ils ont encore ces lots-là et ces écailles. Dans le nom de Christ Jésus, l'onction brise ces jougs-là et maintenant, leurs yeux s'ouvrent dans ce monde spirituel de Dieu. Et avec le discernement des esprits, tu leur donnes de voir ce que tu es en train de faire dans le monde spirituel de Satan, afin qu'ils aient l'autorité de manifester cette grâce-là. Au nom de Christ Jésus, le Tout-Puissant, par la puissance du Saint-Esprit et par le sang qui a aspergé dans vos yeux spirituels, que vos yeux spirituels s'ouvrent à la réalité. Et comment Dieu va faire, je ne sais pas, mais il va le faire. Il a ouvert les yeux d'Abraham, il a ouvert les yeux du serviteur d'Élie, il a ouvert les yeux de Jérémie, il a ouvert les yeux d'Ézéchiel, il a ouvert les yeux même de Agar. Elle a vu le puits et elle est partie abreuver son enfant. Le Seigneur ouvre maintenant tes yeux pour que tu vois désormais, quand cela est indispensable, les choses de Dieu. Il ne le fera pas pour te faire plaisir, mais chaque fois que tu as besoin, il va ouvrir tes yeux. Crois cela et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Deuxième groupe de gens, ceux qui ont des maux d'yeux, toutes sortes de maladies dans les yeux. Vous continuez à poser vos mains sur vos yeux. S'il y a des évangélistes à côté, ils peuvent vous aider pour prier avec vous quand je vais élever les voix. Esprit d'infirmité, esprit qui
donne de l'infirmité à ses yeux et qui empêche ses yeux de fonctionner. Que cela soit au niveau de cataractes, que cela soit au niveau de tous les maux de Dieu. Par les meurtrissures de Christ Jésus, nous avons été guéris pour tous les problèmes de Dieu. Et à cause de cela, le sang de Christ est comme des gouttes de médicaments versés dans les yeux. Que maintenant, ces gouttes de sang-là pénètrent vos yeux au nom de Christ Jésus. Détruisent toute forme de voile, de cataracte, toute forme de maladie d'yeux, de pression des yeux. Et que vous recevez maintenant la grâce de guérison, l'attouchement de la main du Seigneur. Yeux, je vous ordonne d'être restauré, d'être guéri, que toute inflammation, toute dégradation des yeux, à quelque niveau que ce soit, s'arrête maintenant et que vos yeux soient restaurés au nom de Christ Jésus. Merci Père, parce que tu l'as fait, nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus. Vous aussi, vous remerciez Dieu.